Maisons-Laffitte est une commune du département des Yvelines, dans la région Île-de-France, située à 10 km environ au nord-est de Saint-Germain-en-Laye, et à 18 km environ au nord-ouest de Paris. Ses habitants sont appelés les Mansoniens. Maisons-Laffitte est surnommée la cité du cheval, en raison de son importante activité hippique, et de son hippodrome, qui possède la plus longue ligne droite d'Europe. Le nom de la localité est attesté, sous la forme latinisée in mansionibus, au début du 9e siècle, mansioni villa, au 9e siècle, mansion, en 1136, mesoni, mesin, en 1187, domus super se canaon, et meson au 13e siècle, puis maison sur Seine. Il s'agit d'une formation toponymique précoce du Moyen Âge, absence d'articles définis, basée sur le gallo-roman masion, au sens médiéval, dans les noms de lieux, de maisons importantes, voire châteaux, mot qui a donné le français maison, attesté dès le Xe siècle, au sens de bâtiment servant de logis, d'habitation, de demeure. Le terme gallo-romain est issu du latin mansionem, accusatif de mansio, séjour, lieu de séjour, habitation, demeure, auberge. Appelé maison sur Seine jusqu'en 1882, le déterminant complémentaire Laffitte s'est substitué à sur Seine, officiellement après l'urbanisation du parc du château, par le banquier Jacques Laffitte, 1767-1844. En décembre 2001, les fouilles archéologiques menées dans le quartier de l'entrée de maison, à l'emplacement de la nouvelle résidence hôtelière, ont permis de mettre au jour des débris de poterie gallo-romaine, datant des 2e et 3e siècles. Cette découverte atteste pour la première fois des origines gallo-romaines de Mansioni. La première mention du village date de 820 environ, dans le polyptyque d'Irminon. Ce document, rédigé à l'instigation de l'abbé Irminon, était destiné à recenser les biens de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, fondée à Paris, en 543, par Childebert Ier, fils de Clovis. Mais des incertitudes demeurent, à savoir si le Mansioni, villa du polyptyque, correspond bien à Maisons-Laffitte. L'inventaire mentionne des cultures céréalières et des vignes. Malgré la présence du fleuve, il semble bien que le village n'ait jamais connu d'activité liée à la pêche. Le village s'est longtemps appelé Maisons-sur-Seine. L'histoire de Maisons-Laffitte se précise vers le XIe siècle. C'est à partir de cette période qu'il est possible de dresser une généalogie des seigneurs de maison. Le premier châtelain fut certainement Nivard de Septeuil. Son fils Geoffroy Ier accorda à l'abbaye Saint-Wandry de Fontenelle le libre passage devant le port de Maison, vers 1060-1066. Il donna également, vers 1087, l'église de Maison à l'abbaye Notre-Dame de Coulon, proche de Nogent-le-Roi, avec des terres, des vignes, des dîmes, et une part du péage. Le village d'alors était réuni autour de l'église, à son emplacement actuel, entouré du cimetière, du presbytère, de l'ancien prieuré, là où se trouve le centre Lanche-Lévissy, et le château, situé alors vers les parterres ouest de nos jardins. De là, les maisons s'élevaient autour de la rue principale, devenue l'actuelle rue du Ménil. Le fief de Maisons-Laffitte reste aux mains des descendants de Nivard de Septeuil, famille de Gaucourt, puis de Poissy, jusqu'à ce qu'il tombe en quenouille, aux mains de deux nièces de Jean II de Gaucourt. La famille d'Avesnes conserva ses terres, qui passèrent rapidement à la famille de Marseille. Les fouilleuses cédèrent leurs biens dès 1460, à Jean IV de Longueuil, juge au Parlement de Paris. L'unité de la seigneurie sera retrouvée en 1602, lorsque Jean VIII de Longueuil rachète la part des Marseille. Le réunificateur de la seigneurie, Jean VIII de Longueuil, meurt en 1629. Lui succède son fils, René de Longueuil, qui sera président à Mortier au Parlement de Paris, et surintendant des finances, en 1650-1651. Le château est construit à sa demande par François Mansart, oncle du Jules Ardouin Mansart, qui bâtira Versailles, quelques années plus tard. Ce nouveau bâtiment vient prendre la place des précédentes constructions, édifiées par les deux lignées de seigneurs de maison. Le château sera grand, pour recevoir le roi, lors des chasses en forêt de Saint-Germain.
C'est pour cette raison que l'entrée du monument est dos à la Seine, précédée par une large avenue, venant de la forêt. La construction commence aux alentours de 1642, pour s'achever vers 1650. L'alimentation en eau est assurée par le moulin, placé sur le petit bras de Seine de l'île de la commune, dont on peut encore voir les piles, à proximité du palais omnisport Pierre Dupré. Cette machine hydraulique, pourvue de deux roues à aube, servait pour moudre le grain, et pour pomper l'eau de Seine. Elle l'envoyait jusqu'à un réservoir, situé près de l'église. Victime d'un incendie en 1859, le moulin est détruit en 1887. La terre de maison sur Seine fut érigée en marquisat en 1658. Le parc du château, à la mesure de l'édifice, est clos en 1659, de par l'autorisation donnée par lettre patente de Louis XIV, au marquis de Longueuil. Le marquis procède alors à de nombreux échanges de parcelles avec les habitants de maison, afin d'agrandir son parc, et d'en faire un ensemble homogène. Les avenues de Longueuil et de Saint-Germain par exemple, sont dessinées à cette période. Louis XIV y logea en 1671, le jour de la mort de Philippe-François de France, duc d'Anjou. Les premières allées du parc, les avenues Albine et Aiglé, sont contemporaines du château. Les autres allées seront créées au cours du XVIIIe siècle. Une carte de 1740 le montre tel que nous le connaissons. C'est également au XVIIIe siècle que les parcelles entre le château et la Seine sont aménagées, fossés comblés, plantations de rangées d'arbres. Pour ce qui est du village, il s'organise entre l'église et la place publique, dite le champ, autour de laquelle s'ordonnent les bâtiments communs, pressoirs, écoles et maisons communes. Cette place porte aujourd'hui l'école primaire du prieuré, rue du Ménil. De nombreux noms de rues renvoient à cette période de l'histoire agricole du village, chemin vert, derrière les clos, bois bonnet, bois prieur, les hauts des petits bois, pour les lieux-dits les plus proches du centre du village. Mais nous pouvons également citer les rues du Renard, des Plantes, du Gros Murger, amoncellement de pierres retirées des champs, des cordonnières, des formations de cardonnières, provenant de Chardon. Le centre du village se ramifiait autour de petites sentes tortueuses, que l'on peut imaginer, en se promenant dans la ruelle du château, impasse de la Huchette, ou bien le passage du Tripot. Le curé Chaline entreprend en 1759, de dénombrer la population, il compte alors 822 âmes. Parmi elles, une majorité de familles vivent de la vigne, qui occupa alors 40% des terres cultivées. Comptons aussi des artisans, bâtiments, travail du cuir, du bois, du fer, deux pêcheurs, un boucher, un boulanger, un meunier. Sans oublier neuf servantes, le maître d'école, un chirurgien, médecin, un huissier, un grand valet de pied du roi, dont la famille habite maison, le capitaine, et le concierge du château, trois gardes de la forêt, deux gardes suisses, un soldat, et enfin, le bedeau de la paroisse. Parmi les descendants de René de Longueuil, figure Jean-René, 1700-1731, qui reçoit savants et écrivains au château, parmi lesquels Voltaire. Celui-ci raconte dans sa correspondance, l'incendie qui endommage le bâtiment en 1724, alors qu'il le quittait, après y avoir été soigné de la petite vérole. Le marquis Jean-René de Longueuil s'intéresse de près aux sciences. Et en plus de sa charge héréditaire de président du Parlement de Paris, il sera également nommé président de l'Académie des sciences. Il meurt sans descendance. Le domaine passe aux mains d'une cousine, la marquise de Séglières, née de Belfourrière, puis à son petit-fils, le marquis Armand de Soyécourt. À court d'argent, celui-ci cherche à vendre maison. En commençant par le roi, pour plaire à Madame de Pompadour, en 1747, puis à Madame du Barry, en 1770. Mais Louis XV ne se laisse pas engager dans ses opérations, et Soyécourt finit par vendre maison en 1777, au comte d'Artois, frère de Louis XVI, et futur Charles X, qui en compléta les embellissements. Le prince confie à François-Joseph Bélanger, architecte, le soin de procéder aux améliorations, restauration et aménagement qu'il souhaite, construction d'une orangerie,
remise en état des écuries et du moulin, restructuration des cuisines. Le comte d'Artois amène également à Maison son écurie anglaise, qui lui permet de développer sa passion des courses de chevaux, origine de l'implantation du sport hippique à Maison Lafitte. Le prince reçoit à Maison des personnalités de la noblesse, dont la vicomtesse de Beauharnais. Mais l'édifice continue de menacer ruine en plusieurs endroits, et les quais se vident, les travaux sont arrêtés. Le dernier passage du comte d'Artois à Maison date de 1784. Il tente même de le revendre au roi, son frère, qui lui aussi doit faire face à la pénurie de liquidités dans le trésor royal. La Révolution française vient finalement mettre un terme à cette tergiversation. Le comte d'Artois fuit en Angleterre, et le domaine est mis sous séquestre en 1792. Mis en vente en 1797, comme bien national, l'ensemble est adjugé à Jean Lanchère, 1727-1805, fournisseur aux armées, pour la somme de 853 853 francs. Intéressé par les profits qu'il peut faire des bâtiments, Lanchère détruit certains pavillons, vend des sculptures, pour finalement revendre le tout en 1804, au maréchal Lannes, pour la somme de 450 000 francs. Peu attiré par les fastes de la cour de Napoléon Ier, le maréchal préfère venir à Maison, entre deux campagnes militaires. Le château bénéficie alors de nouveaux travaux d'embellissement, et une bergerie est installée dans les jardins. Après sa mort en 1809, à la bataille d'Essenling, son épouse, la duchesse de Montebello, reçoit parfois l'empereur. C'est d'ailleurs ce dernier qui ordonne en 1810, la construction du premier pont, entre Sartrouville et Maison. En 1813, la duchesse reçoit de même l'impératrice Marie-Louise, dont elle est dame d'honneur depuis 3 ans. Le 13 novembre 1818, elle se défait du domaine de Maison, pour la somme d'1 050 000 francs, au profit de Jacques Lafitte. Jacques Lafitte, né le 24 octobre 1767 à Bayonne. Fils de charpentier, il se rend à Paris, pour tenter sa chance, et entre en 1788, dans le monde de la banque, et y connaît une ascension rapide. Le 24 avril 1814, il devient, dans des conditions difficiles, gouverneur de la Banque de France. Pendant les 100 jours, 1815, il avance des sommes considérables à l'État, et à la ville de Paris, pour répondre aux exigences de l'occupant. Adversaire de Charles X, l'ancien propriétaire du château, entre 1777 et 1789, alors qu'il était comte d'Artois, Jacques Lafitte accueille à Maison de nombreux membres de l'opposition politique. C'est donc logiquement qu'il exerce une influence décisive, lors de la Révolution de 1830. Le 3 août de la même année, la Chambre des députés le choisit d'ailleurs comme président. Après l'avènement de Louis-Philippe Ier, il est nommé président du Conseil et ministre des Finances du roi. Débordé par l'agitation politique, il laisse la place le 13 mars 1831 et sort à peu près ruiné de l'aventure. À la suite de ces événements, il décide donc de morceler le domaine de Maison pour réaliser une fructueuse opération immobilière. En 1833, les écuries et d'autres dépendances sont détruites afin de fournir des matériaux de construction pour les acheteurs des lots du parc. Le 16 février 1834, le cahier des charges de ce lotissement est déposé devant notaire, dont une copie est, encore aujourd'hui, remise à chaque acquéreur dans le parc. L'idée de ce cahier des charges est de poser les principes de construction de cette ville à la campagne. Pour assurer la desserte des propriétés, Jacques Lafitte est amené à ouvrir de nouvelles voies dans le parc. Partant des épines dorsales, déjà existantes, avenue Aiglé, Albine, il trace des figures géométriques. Il dessine aussi une croix de la Légion d'honneur, autour de la place Napoléon, et du Cercle de la Gloire, d'où partent des avenues, qui porteront les noms des batailles de l'empereur. En 1838, alors qu'une centaine de maisons sont d'ores et déjà édifiées, paraît un album de gravures vues pittoresques de Maison Lafitte, recueil quasiment publicitaire. Il montre plusieurs exemples de maisons dans le parc. Ce sont en général, de modestes édifices correspondant à l'idéal social d'accession à la propriété, pour les classes moyennes,
que Lafitte et ses associés ont souhaité dans les premières années de l'opération. Le développement de la colonie sera bientôt favorisé par l'arrivée du chemin de fer, et le parc devient davantage résidentiel, et se parera de maisons, de plus en plus cossues. Jacques Lafitte meurt, le 26 mai 1844, emporté à Paris par une maladie pulmonaire. Le conseil municipal de Maison Lafitte fait célébrer un office funèbre en l'église de la ville. Le domaine passe aux mains de sa fille Albine, qui procède, dès 1846, à une vente aux enchères dès le restant, et qui finira par vendre le domaine en 1850, y compris les 33 hectares comprenant le château. La famille Lafitte, après le lotissement du parc, sera à l'origine de plusieurs autres changements. Le neveu de Jacques, Charles, est un des promoteurs de la construction du chemin de fer de Paris à la mer, entre 1841 et 1843. Il participe aussi à la création du réseau d'adduction d'eau de la commune, à partir de 1859. Personnalité parisienne, Charles Lafitte, grand amateur de sport hippique, est un des membres fondateurs du Jockey Club de Paris, au sein duquel sera créée la société d'encouragement. Il possédait dans le parc la propriété Le Val Fleuri, où se situe actuellement la salle Malesherbes, quoique la propriété fût alors beaucoup plus vaste. Il fut conseiller municipal jusqu'à sa mort en 1875. Le 27 mai et le 24 juin 1944, le pont ferroviaire reliant Maison Lafitte à Sartrouville fut bombardé à plusieurs reprises par des avions alliés.